François-Xavier, notaire à Paris. Christophe, alors lui, tout va bien, ouvrier et paysagiste à Mirepoix. Et Thierry, lui, il est expert en sécurité monétique. David Cachan, il doit travailler à Paris, j'imagine. À Montreuil, en fait. Montreuil, d'accord. Ouais. Et donc, voilà les trois candidats qualifiés. Vous choisissez un thème parmi les quatre qu'on va vous proposer, qu'on a préparé pour vous. Au chronomètre, il y a 40 secondes. Chaque erreur vous fait tomber à zéro. Il faut essayer de faire que 4 bonnes réponses à la suite, bien sûr. Voici les thèmes. Escale à Tahiti. Les grosses colères. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Et vous pouvez réagir au match. Cette belle finale qui se joue devant vous. Et enfin, les groupes et mouvements dans l'art. Alors Thierry, Julien, Thierry réfléchit. Je vais prendre les grosses colères. Les grosses colères, d'accord. Alors Thierry, 2 victoires dans les Super Champions, c'était en 2013. C'est bien ça. Alors maintenant, il faut passer l'obstacle. Tout à fait. Les grosses colères, c'est votre choix. Okay. Chrono. Top, quel grand joueur de tennis américain des années 80 surnommé Big Mac? McEnroe. Quel ancien dirigeant soviétique est célèbre pour savoir frapper d'énervement Khrouchtchev. En 71, découvrant que l'un de ses reportages avait été censuré, quel écrivain et journaliste quitta furieux le plateau de l'émission Armes égales? Clavel. En 75, le soir d'un concert à Cologne, quel pianiste de jazz se mit en colère et refusa de jouer sur le piano qu'on lui proposait? Petrucciani. En 80, lors d'un JT, quel chanteur interpelle François Mitterrand à leur invité? Balavoine. Dans quel lieu Jésus, pris d'une vive colère, chassa-t-il les marchands qui transformaient la maison de son père en une maison de commerce? Le marché du Temple. En 67, lors d'une discussion véhémente à l'Assemblée, quel député maire de Marseille lança un « Taisez-vous, abruti !» au gaulliste René Ribière? Defer. C'est Defer, Gaston Defer, d'accord. 3 points pour Thierry. Le soir d'un concert à Cologne, 75, quel pianiste de jazz se mit en colère et refusa de jouer sur le piano qu'on lui proposait? Keith Jarrett. Ouais. Dans quel lieu Jésus, pris d'une vive colère, chassa-t-il les marchands qui transformaient la maison de son père en une maison de commerce? Le temple de Jérusalem. 3 points. Christophe. Je partirais bien à Tahiti, mais je vais plutôt prendre groupe et mouvement dans l'art. Allez. Les groupes et les mouvements dans l'art. Alors Christophe, 3 victoires dans les Super Champions, 3 dimanches victorieux successifs. Ça. Ça, c'était en 2010. Et la cagnotte, dans nos émissions quotidiennes, 5 victoires consécutives. 24 200 euros. Christophe, on y va. Chronomètre. Groupe et mouvement dans l'art. Top, à quel art associe-t-on le groupe des 15, créé en 1946 et qui comptait notamment Robert Doisneau parmi ses membres? La photographie. Quel atelier de littérature expérimentale, né des réflexions de Lippo. En 63, quel architecte espagnol fonde à Barcelone l'atelier Thaler de Arquitectura, regroupant plusieurs corps de métier? En quelle année? En 63, architecte espagnol. Ricardo Bofill. Oui. Quel mouvement, apparu en 60, regroupa des artistes comme Armand, Martial Raïs, qui souhaitait capter le monde dans sa réalité sociologique? Fluxus. Non. Dans l'histoire littéraire, quel nom a-t-on donné à plusieurs groupes de 7 poètes? La Pléiade. Au cinéma, quel format de film dont la durée dépasse rarement 20 minutes? Court-métrage. Oui. Associe-t-on le groupe des 30, fondé en 53, et dont fit notamment partie Chris Marker. C'est le court-métrage. Bien joué. 3 points pour Christophe. Quel est ce mouvement apparu en 60 qui regroupa des artistes comme Armand, Martial Raïs, qui souhaitait capter le monde dans sa réalité, réalité sociologique? C'est le nouveau réalisme. Ah oui. 3 points. François-Xavier, quand vous voulez. Eh bien, Julien, entre les deux, mon cœur balance. Je vais faire confiance à ma bonne étoile, je vais prendre le thème mystère. Allez, thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Le feu. Aha. Oula, je ne sais pas si ça nous avance beaucoup, ça. Le pas feu vraiment. En science. Je pense que ma bonne étoile m'a abandonné. Technique. Mais... On va bien voir, écoutez, oui, encore une fois, il n'y a rien à perdre. Rien du tout. Voilà. François-Xavier, super champion 2012. Le feu en science et technique. Attention. Top, de quelle étoile située à environ 150 millions de kilomètres de la soleil. Terre?
Quel brûleur à gaz, devant son nom à un chimiste allemand et produisant une flamme nue, était couramment utilisé autrefois en laboratoire? Quel nom donne-t-on à la transformation d'un corps en charbon, notamment par combustion incomplète? Quel nom donne-t-on à la transformation d'un corps? Prenez votre temps. Carbonisation? Oui. Au 5e siècle avant notre ère, quel philosophe grec né à Agrigente décrivit le feu comme l'un des quatre éléments dont la combinaison créait toutes les choses? Aristote. Non. De quelle roche très dure, utilisée comme arme et comme outil par les hommes préhistoriques, s'est-on servi comme... Silex? Oui. Quel gaz plus dense que l'air, dont la formule chimique est CO2, retrouve-t-on dans certains extincteurs pour couvrir un feu? Le gaz carbonique. 3 points! François-Xavier. Nous sommes au 5e siècle. Avant notre ère, quel philosophe grec né à Agrigente, ou à Agrigente, décrivit le feu comme l'un des quatre éléments dont la combinaison créait toutes les choses? Empédocle. Empédocle, vous l'aviez, oui. Ah oui, Christophe, très bien. Et de quelle étoile située à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, le noyau est-il le siège de réactions thermonucléaires? Le Soleil, vous l'avez dit. Alors, François 3, Christophe 3, Thierry 3. On revient à zéro pour les trois candidats. Et ceci. Que suis-je, un petit oiseau migrateur? Christophe? La caille. Oui, la caille, oh oui. La caille, au plumage brunâtre de la famille des Phasianidés, mon élevage est appelé coturniculture, voisin de la perdrix et la caille, très bien. Un point pour Christophe. Et ceci. Que suis-je, une héroïne? Héroïne, François-Xavier. La coccinelle. Oh oui! Alors là, alors là, je vois rien, il n'y a rien. Qu'est-ce qui vous met? Qu'est-ce qui vous dit que c'est une coccinelle, ça? Ma fille, parce qu'on a commencé à regarder la coccinelle même s'il a que 2 ans, et on l'a regardée il n'y a pas longtemps, donc voilà. Là, moi, je suis battu à tous les coups, là. La coccinelle, me retrouvant à Monte Carlo en 77, je suis une automobile de couleur blanche, héroïne de plusieurs films produits par Walt Disney en 68. Là, je choisis d'être la propriété d'un pilote malchanceux. La coccinelle, bien joué. Un point. Que suis-je, une ville? Alors, c'est une ville maritime. François-Xavier. La Rochelle. Ah oui! Ah là là là! Ça, c'est beau! Alors là, serrez-vous la main déjà, tous les trois, là. Ça, c'est bien joué. La Rochelle, j'abrite les tours. Ce sont les tours qui vous mettent sur la voie, évidemment. Les tours du Vieux-Port et la Grosse Horloge, ville accueillant les Francofolies, chef-lieu de la Charente-Maritime. La Rochelle, bien joué. 2 points. Ça se passe entre Christophe et Thierry maintenant. Thierry qui est en retard, allons-y. Ceci. Que suis-je, une chanson? Chanson populaire de 1980, j'évoque le carnaval. Carnaval, attention. Christophe, grand moment. Christophe? Chaud cacao? C'est non. J'évoque le carnaval brésilien et une folle de Rio, chanson dans laquelle Annie Cordy se demande ce qui se cache sous le grand chapeau du personnage qu'elle interprète. Je suis... Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, exactement. Annie Cordy, d'accord. Oh, oh, oh. Ça veut dire que là, tout va se jouer maintenant sur la question qui vient avec ceci. Qui suis-je, un type d'individu? Apparu vers le 11e siècle. Christophe. Chevalier? C'est oui! Oh, oh, oh. Alors là, le chevalier, c'est oui. Alors Thierry est déçu. Et je comprends sa déception, parce que moi, je l'avais pas là, hein. Franchement, je l'avais pas. Vous n'y étiez pas non plus, hein. Vous n'y étiez pas? Pensez aux mousquetaires, moi, j'étais loin. Oui. Et le chevalier, pouvant venir du peuple, j'appartiens ensuite à la noblesse en raison de mon armement. Armement coûteux. Combattant à cheval, intronisé par la Douman, c'est le chevalier, bien joué. Thierry s'arrête là, mais vraiment, vous partez avec les honneurs. Et bravo, Thierry. Merci. François-Xavier est dans cette première finale. Christophe aussi. Lequel des deux affrontera Olivier? On va se régaler dans le match, le choc, le jeu.